Mais le mode tôt plus élevé, c'est cool. Tu me feras les pierres aussi, il me faut Bastet et Ganymède. Ok. Ah. Pas de béné, t'as de quoi en faire une si jamais on prend J'ai de quoi en qu'un faire truc. trop. J'ai de quoi en faire deux Oh, et mais il me ça va. manque trois machins pour en faire trois. Un inch. Ouais, Inch à 100 louille. millions de mana. Bah tu sais que tu vas être le Ah vite, premier hein. pélo à me faire descendre en dessous de 100 millions de mana depuis un an. Putain. Mais Ouais, moi, là... faut que je refarme, il faut que j'en fasse un. Bah Je les refasse un artefacts ça coûte stock. beaucoup, hein. Bah là, j'ai pas refarmé les artefacts et tout, mais là, il faut que je fasse une session où je up mes artefacts maintenant qu'ils ont diminué le prix. En vrai, j'ai failli le faire hier soir. Putain, j'aurais eu De... la haine, hein. Oh là là, si j'avais fait mes 300 artefacts. Oh, nice! Un nouveau mob. L'avant. Ah, tu veux dire la... Attends, ah, tu m'as spoilé, bâtard. Ah ouais, putain, je t'ai pas partagé sur le... Attends, je te partage. Ah ouais, bah ouais, faut avoir sur Discord. J'avais complètement zappé. Aïe, 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 Yo, ouais. eh ben, good, Chun-Li. Elle a l'air sympa. Ah, c'est celle, ah, elle est Celle forte, que celle-là. Shay il veut, ouais. C'est celle Elle est que trop Shay forte, il veut celle-là. pour le GB10. C'est GB12. celle qui rafale, là, elle est trop forte, elle. Ouais. Il met vitesse d'attaque en fonction de la. Avec la puissance d'attaque, machin, là, le bail un peu chelou, là. Sympa ça. Pardon, plus mob en fait, il tape, plus elle tape, ouais, c'est trop fort. C'est le premier mob Street Fighter qu'on chope. Je t'ai dit, je vais pas te l'apprendre. À chaque fois qu'il y a une mise à jour, summon sur mon compte, t'auras de nouveaux Ouais, mobs. j'avoue. Hein. Tu le sais, regarde le Pas de problème. peintre, On m'envoie ça, un les A5. druides. Je liste. Gargouille. Tu joues encore le peintre vent ou pas? Ouais. Ouais, Toujours pas c'est joué, moi. situationnel, je le sors de temps en temps. Mais tu l'as full Mais skill? ouais. Ok. Disons que c'est très fort quand il y a énormément de buffs en face et que c'est pas possible de ban ce mob-là dans la compo en fait. Tu sais, quand le mec il joue des Vigor, Vela Juel, Mes couilles au bord de l'eau, Fran et compagnie. Bah juste le fait de faire skill 3 et tout skill 2 c'est trop fort en fait. Ouais, Il est j'imagine. ruiné. Je l'avais ruiné Bruiser au début. Ouais. Et puis je l'ai finalement ruiné support avec un peu d'attaque. Et en fait ça fait juste trop mal, donc il n'y a même pas besoin de mettre du DCC, faut Ah juste que ouais? ça tanky en fait. Ok. Sur un BDF, le skill 3 il t'arrache ta gueule. Hein. Ah ouais, c'est pour là. Il fait des bons mobs pour un Bruiser. Hein. Il fait des bons dégâts pour un Bruiser. C'est le même coef que Xiu sur skill 3. D'accord, ok. Il n'a pas le même nombre de hits, mais c'est le même coef. Donc au final, juste un peu d'attaque et un poil de crit, ça permet de faire des trucs quand même sympas. Yo, allez, Atil. Donc autant le jouer tanky et voilà. Chun-Li haut en DB, ça frappe moins que Stella. Ah. Un Ah, ça fait Mickey. mal ça. Arrêtez ton bouchon, ton stylo. Gros, je fais rien là. Qu'est-ce que tu parles? On C'est quand même un des entend. éclairs là. J'avoue que. Allô? En sens, si tu me dis est-ce qu'on signe pour une Chun-Li et juste ça, je dis non. Bah on va voir Non, un peu. je. Non, 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 non. Toujours pas. Ah bah on n'a plus d'éclairs en fait. Ah bah yes, hein. Où sont les éclairs? Ah si. Allez, au secours. Bah, je l'ai testé en Desper le Xiaong Pung et justement je l'ai passé en Vio. Ouais, Desper, je pense que ça pue. Ça dépend. Si tu joues contre une compo full immune, le Vio est bien meilleur parce que tu vas stripper et tu vas réduire. Si tu joues contre une compo sans immune, le Desper est broken. Ouais, après. Mais il n'y a pas beaucoup de compos sans immune qui vont se prendre le peintre et vont le laisser quoi. Donc, en fin de compte. Je sais même pas si je l'ai déjà vu dans les gros combats RTA. Personne ne joue. Bah en vrai, c'est situationnel, c'est ce que je t'ai dit. Je sors vraiment pas à toutes les ailes. Hein. Genre, si je sors 4-5 fois sur 30 ailes, c'est déjà énorme. Hein. Ouais, ça fait chier de monopoliser un gros set pour un truc 5 fois. Ouais, mais il a pas un gros set, donc ça va. Enfin, j'ai pas mis le meilleur du compte, quoi, en gros. Bah moi, je sais que si je lui mets pas un bon set, je vais jamais le jouer. Enfin, le bordel, il réduit quand même tout le monde à TB sur skill 3 et il augmente les quick time. Donc à partir de là,
y a quand même un, kit qui est vraiment non, plus c'est plus vrai, sympa, c'est quoi. Vrai, c'est vrai, son kit. Enfin, le Borvel, c'est un Ganymède à eux, hein. Enfin... Il augmente pas les coups time d'autant, ça se résiste, mais... Mais quand même. Quand tu lock une Fran, un Vigor, une Ator, un Ganymède ou que sais-je sur potentiellement 2-3 tours, c'est puissant. Hein. Comment ça les locks sur... Ah oui, tu veux dire avec le... Bah, et... quand ils sont full... Quand ils sont full... Ouais, mais par exemple, s'ils sont full ATB... Et que tu passes full ATB, tu descends une fois de 50, deux fois de 50... Et dans le meilleur des cas, t'as réduit un cooldown à tout le monde. Quand ouais, ils donc sont il faut qu'ils passent en mid ATB ou early ATB, quoi. Ouais, c'est ça, mais ça se tempo. T'as moyen de le temporiser, en fait. Et après, dans le pire des cas, même s'ils sont allés en dessous de 50 ATB ou à 50 ATB, t'as une chance sur deux de faire un ou deux resets de cooldown. Enfin, ça, on va savoir. Hein. Enfin, un ou deux tours. C'est pas dégueu, hein. Ouais, ouais, c'est vrai qu'il faudra peut-être que je lui donne un peu plus de chance, mais bon. Ouais, pourquoi pas. Sur le papier, ça avait l'air dingue. En réalité, ça allait un petit peu moins, mais ça reste quand même... c'est loin d'être injouable, quoi. C'est juste situationnel en fonction de la compo en face, donc c'est souvent à la speak. Ah, il y en a de 5. C'est aussi pour ça que tu le rentres pas n'importe où. Parce que en fonction de la compo en face, il va être jouable ou non jouable. Déjà, à partir de là... Ouais. Allez, je veux des nat 5 là. Par contre, je me fais chier dessus là en vrai. Le ratio d'étincelle doit être, comment dire, c'est pas négatif. C'est pas la mais meilleure bon, summon du monde, ouais. Mais bon, on se souvient tous de ce que tu m'as fait à la précédente, donc bon. Tu sais, les 30 derniers vélins où après, on va avoir ouais, 20 étincelles. Ça... Tu sais, les 20 étincelles en 30 vélins, le casse du siècle. Ça se compense, hein, les vélins. C'est ça, mais je pense qu'à la fin, honnêtement, on est équilibré, hein, je pense, hein, quand tu comptes tout. Hein. Je t'avoue que là, quand même... Non, mais je me réserve pour la Mio sur les Light and Dark. Non, mais j'ai déjà Mio au grand. Bâtard. On aura une deuxième. C'est du skip. Oh, un mob. Oh, un Azim. Je sais pas ce qu'il fait, lui. Dalsim, c'est pas le nom d'un... Ah, mais c'est le nom. D'un T-Viewer, non? Alors, c'est Dalzel. Ah, je sais pas. Ah, les dégâts augmentent. En vrai, c'est ouais. Pas ma meilleure... C'est pas ma classe. Faire le heal. Ok. Mm-hmm. Allez, Light and Dark. J'ai pas eu de lightning depuis un petit moment. Allô? Bon, appelle Charles là. Mon dieu. A l'aide, au secours. A l'aide. Appelle Charles, j'ai dit, appelle Charles. Il dort. Wake up, Charles, wake up. Oh. Elle fait quoi? Oh, je crois qu'elle est insane. De toute façon, la light et la dark sont insane. Je crois. Je la connais pas, gros. Attends. On voit tous les ennemis, hein. Ça monte à 100%. C'est un strip. Ah oui, c'est le meilleur strip AOE. C'est le meilleur strip AOE du jeu en 4 nat, gros. Elle est insane. Oh là. Non, elle est insane. Mais du coup, faut la skill up avec des tunes ou c'est comment? Oui, mais avec aussi la version classique, tu sais. Ouais, ok, je vois. Oui, dans le sens, d'accord, mais. Ok, cool en vrai. Bah. Hey. Cool, ouais, très cool même, ouais.
Sympa. Et là, Bastet gagne, c'est ça. Ah, mais t'avais déjà fait les légendaires, j'ai même pas vu. Ouais. Tu vois, j'ai même pas suivi. Ouais, là, Bastet ou Gany. No Odor Mob. Si tu me ressors une 7ème Brandia, je t'avoue que. Surtout que t'as une chance sur 3, quoi, si c'est un Act 5. C'est allez, vrai. Bah. Là, faudrait déjà avoir des. Bon, tu. Putain, par contre, tu me diras ça. Putain, la Dark, gros. Ouais. La Dark et la Light, dans mes souvenirs, elle était insane de ouf. Oh non, 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 non. Mais gros, mais. Non, 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 non. Non mais. Frère, tu sais que dans ce jeu j'ai eu 7 Alicia, 7 Taor et je suis donc à 7 Brandia. Putain gros, une chance sur 3, tu m'as jinx en fait. Et les 7ème de chaque c'était les tiens. Putain. Non mais c'est grave, un éclair, un AT5, il faut que ce soit le mauvais quoi. 7-7-7 jackpot, oh, mon bro. Donc il y a Ganymède du coup à la fin, c'est ça en fait. C'est tout. Thomas Ganymède alors. Karak. Bon, il fallait que je le monte, ça colle. Ah putain quoi, mais à l'aide. La summon n'est pas dégueu en soi. Tu as obtenu un des meilleurs 4 étoiles strippers du jeu, mais. Y'a d'idées, mais putain, ça aurait pu être tellement ouf. Dédé. Pourquoi. Par contre, elle. Oh là là, gros. Regarde, hein, ça passe à 100%. Je t'entends plus, mec, qu'est-ce que t'as fait. Ah, pardon, je sais pas pourquoi. J'ai dû cliquer sur un bouton. Je disais, ouais, Dédé, putain, mais pourquoi gros, pourquoi. Pourquoi. C'est terrible, en vrai. Hein. Mais non, mais non. C'est pas comme si elle était utile, en plus. Voilà. Bon, après, ça. Eh, ça te fera une béni, c'est pas grave. Ouais. Bah, ça fera une béni. Mais par contre, ça, j'ai hâte de la voir en action. Ça, par contre, bah, il va falloir que je la monte et je pense que. En vrai, je vais la dévilement, je pense. Si elle est vraiment aussi forte que ça, je vais pas attendre d'avoir les skills pour la jouer. Ouais. Ouais.